je vais partager avec vous une liste de 7 sites ou magasins dans lesquels vous allez pouvoir dépenser vos bitcoins et vos crypto-monnaies dès maintenant ou dans l'avenir. Donc c'est une liste de sites ou de magasins qui acceptent déjà aujourd'hui le bitcoin ou qui vont accepter cette année, théoriquement, c'est ce que nous dit cet article, le bitcoin et les crypto-monnaies. Vous allez voir qu'en fait, dès aujourd'hui, on peut acheter des voitures, on peut acheter des appartements ou on peut acheter même des choses de tous les jours dans les magasins ou sur ces sites internet. Et vous allez voir que, eh bien, vous le savez même pas, mais des sites connus, hyper connus, acceptent aujourd'hui le bitcoin, connu par des millions de personnes, même des dizaines de millions de personnes. Mais avant que je vous partage ça, eh bien, si vous souhaitez savoir eh bien, comment je m'y prends pour eh bien, investir en automatique et de la plus simple des manières et connaître mes secrets d'investisseur, eh bien, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou sur le i en haut à droite de cette vidéo. Inscrivez-vous, marquez votre nom et votre prénom et votre email et vous allez recevoir toutes mes stratégies d'investissement gratuitement. Alors déjà, vous pouvez voir sur cet article écrit par L'Express, eh bien que dès 2020, plus de 25 000 points de vente en France accepteront les crypto-monnaies. Donc on ne sait pas si c'est fin 2020 ou durant l'année 2021, mais c'est en cours. C'est-à-dire que, comme vous le voyez ici, vous ne serez bientôt plus obligé de payer en euros. À partir de 2020 ou peut-être 2021, plus de 25 000 points de vente d'une trentaine d'enseignes eh bien, vont accepter le Bitcoin et les clients pourront payer en crypto-monnaie et pas que en Bitcoin. Par exemple, il y a Boulanger, Footlocker, Decathlon, Conforama, Maison du Monde, Intersport, Cultura, Noroto, Sephora qui auront la possibilité d'accepter les crypto-monnaies et le Bitcoin dans leur magasin physique et aussi bien sur leur site internet. Donc, comme nous le dit ici le communiqué, eh bien, le fonctionnement habituel des enseignes ne sera pas impacté puisque les plateformes d'échange seront en charge de la conversion des crypto-monnaies en euros. Donc, c'est-à-dire que les clients vont payer en crypto-monnaies, mais ces crypto-monnaies seront directement transformées en euros. Mais d'un côté, nous allons quand même pouvoir dépenser indirectement nos crypto-monnaies. Et là, cette information est importante et intéressante. Eh bien, d'après une étude, entre 2018 et 2017, eh bien, les Français possédaient entre 3 et 6% de crypto-monnaies. Ça, c'est la première info. Les magasins physiques vont accepter à l'avenir les crypto-monnaies. Deuxième point hyper important, c'est NordVPN. Je ne sais pas si vous connaissez NordVPN, c'est un site qui nous permet d'avoir une IP différente de la nôtre, dédiée ou non. Mais si par exemple vous dites, alors je veux acheter cette offre-là, je vais dans les paiements, allez, je clique sur continuer vers le paiement, et là je peux choisir carte bancaire, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, PayPal, crypto devise, et je peux payer en cryptocurrency. Et voilà. Donc oui, NordVPN que vous voyez souvent peut-être à la télé, eh bien oui, accepte les crypto-monnaies. Mais ce n'est pas tout. Puisque vous connaissez peut-être le site internationalement connu et surtout en Amérique qui s'appelle JB Bullion, qui a, comme vous pouvez le voir sur SimilarWeb, plusieurs millions de personnes sur son site. En l'occurrence, là, un pic à 5 650 000 personnes en mars 2020. Eh bien, accepte les crypto-monnaies, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des métaux précieux et comme vous le voyez à la fin du site, les crypto-monnaies et le Bitcoin est accepté. Donc, ça met une légitimité au Bitcoin et aux crypto-monnaies parce que si de tels sites connus et marchands physiques acceptent ou accepteront les crypto-monnaies, eh bien, c'est quelque chose d'incroyable. Ensuite, vous connaissez peut-être le site Travala.com. Travala.com, c'est un site qui vous permet d'obtenir des tarifs intéressants sur les hôtels, les hébergements dans le monde entier, mais aussi les vols. Et Travala.com, non seulement ils acceptent les bitcoins, les crypto-monnaies et plein d'autres, comme le Litecoin, le XRP, l'Ethereum, etc., mais c'est aussi une crypto-monnaie à part entière qui est notée, qui est classée à ce jour 141e sur
CoinMarketCap et qui a fait ces derniers jours. Moi, je l'avais dans mon viseur depuis quelques jours et vous voyez, elle est passée de 30 centimes à aujourd'hui 1 dollar. Elle a fait x3 en l'espace de quelques jours. Donc ça, c'est un projet hyper intéressant pour partir en vacances avec vos crypto-monnaies et payer votre vol, mais aussi votre hébergement. Ensuite, il y a Logi.com, qui est une plateforme pour acheter, vendre ou louer ses biens immobiliers. Et bien maintenant, vous pouvez payer votre location meublée en Bitcoin. Mais ce n'est pas tout. En plus de l'immobilier, vous pouvez payer des voitures. Si par hasard, vous avez acheté des Bitcoins et qu'ils ont pris une grosse plus-value, eh bien depuis peu, il y a Lamborghini. Vous connaissez sûrement les super voitures de luxe Lamborghini, eh bien désormais accepte le paiement en Bitcoin et faudra payer 50 Bitcoins pour avoir une super Lamborghini et 65 Bitcoins pour avoir le modèle 720S de McLaren. Et oui, mais ce n'est pas tout. Si vous souhaitez dépenser vos Bitcoins sur Amazon, vous pouvez. Pour cela, vous pouvez aller sur Purse.io, vous achetez une carte cadeau avec vos bitcoins et avec cette carte cadeau, vous allez pouvoir la dépenser sur Amazon. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi gift.com où c'est le même principe. Hein, c'est vous achetez, vous dépensez vos bitcoins en carte cadeau et vous pouvez les dépenser sur eBay, Uber, PlayStation, etc. Et comme c'est écrit ici, vous pouvez acheter ces cartes cadeaux en Bitcoin pour les dépenser sur d'autres plateformes comme Amazon, Starbucks, comme je l'ai dit ici et ici. Voilà. Donc, désormais, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur pour investir en automatique et de la plus simple des manières, cliquez sur le lien sous cette vidéo, sur le i en haut à droite de cette vidéo, inscrivez-vous et je vous donne tout ceci gratuitement. Et pour ne plus louper mes vidéos, abonnez-vous. Et likez cette vidéo si vous l'avez kiffé et si vous avez appris des choses. À très bientôt, j'espère. Ciao.